Alors, on va dans cet épisode essayer de résoudre le petit exercice qui s'affiche ici. Alors, vous voyez que pour attraper Maurice, vous plongez dans l'aquarium une épuisette à 20 cm de l'une des faces. On regarde à la fois la partie émergée et immergée de l'épuisette et on voit un décalage apparent entre les deux images si on fait un angle à peu près 30 degrés par rapport à la normale de l'œuvre. Alors, dit comme ça, c'est plutôt difficile à s'imaginer. Donc, je vous laisse avec une petite prise de vue dans un aquarium directement pour essayer de visualiser. Bien, alors, pour la deuxième partie de l'exercice, on va s'intéresser à un burin plutôt qu'à une épuisette, parce que comme ça, ce sera plus visible. Donc, je vois, j'ai mon burin, j'ai mon aquarium en dessous, je mets le burin dans l'aquarium, et vous voyez qu'entre la partie haute et la partie basse, je suis bien dans la continuité. Et maintenant, si je me déplace pour avoir un angle plus important avec le côté de l'aquarium, donc là, vous voyez le burin qui bouge ici, et si je monte, avec ma main n'est pas du tout au bon endroit comparé à la position visuelle du burin, et il va falloir essayer d'expliquer ça de manière relativement simple en utilisant les lois de la réfraction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il arrive avec cette épuisette, ou plutôt ce burin, puisque on a utilisé un burin dans l'expérience. Donc, au niveau de l'épuisette, on va la mettre comme ça dans l'eau. Donc si je le mets ici. Quand je mets mon œil comme ça, ce que je vois en face, bah, c'est le burin, la surface de l'eau et le reste du burin qui est en dessous de l'eau. Jusque-là, aucun souci, puisque les rayons qui m'arrivent là arrivent perpendiculairement à la surface, donc sont non déviés. Et que je sois au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau, c'est pareil. Mais si maintenant je mets l'œil par là, légèrement décalé, j'ai toujours les rayons qui passent par l'air, qui arrivent et qui ne sont pas déviés. Parce qu'au-dessus, il n'y a pas d'interface, hein, même si là on a l'impression, mais je suis au-dessus du bord de mon aquarium et donc les rayons qui arrivent ne sont pas déviés. En revanche, il y a d'autres rayons qui viennent du même endroit, parce que là c'est important de prendre le même endroit, et qui, passant dans un milieu moins réfringent, puisque je vous rappelle que ici il y a l'air, ici il y a l'eau, passant dans un milieu moins réfringent, doivent s'écarter de la normale, donc passer comme ça. Et donc, mon cerveau, lui, qui a été habitué à penser que les rayons lumineux vont en ligne droite, vont croire que ce rayon lumineux, il vient de là. Donc, quand je suis dans l'air, j'ai un truc à droite. Quand je regarde dans l'eau, j'ai un truc à gauche. Résultat, quand je regarde mon interface, j'ai la partie rouge, on va mettre en rouge comme ça, au-dessus, et la partie bleue en dessous. Et je peux avoir une discontinuité ici. Il n'y a plus aucune raison pour que les deux parties se retrouvent au même endroit. Et donc là, vous avez la même explication. Vous pouvez aussi essayer d'expliquer le principe de la paille brisée quand vous essayez de mettre une paille dans un verre d'eau et que vous regardez par au-dessus. C'est un petit peu le même principe.